Chers collègues, la situation en Afghanistan est un véritable désastre. Elle est d'autant plus dramatique que ce pays est en théorie libéré et démocratique depuis 16 ans. Au niveau sécuritaire, en dehors des grandes villes, le gouvernement de Kaboul est toujours face aux seigneurs de la guerre. Au niveau économique et social, comme mon collègue l'a dit, 9000 tonnes de drogue sont produites, plus que deux fois plus que du temps des talibans, soi-disant le pire des régimes, et c'était le pire des régimes. Faut-il dire que la production de drogue se fait avec aussi la complicité de l'Occident? Le pavot équivaut à 35% du PIB, emploie 2 millions d'Afghans, et pourtant il y a plus de 40% de chômage. Au niveau géopolitique, le désordre afghan s'est déplacé au Pakistan, et depuis la chute de Musharraf, cette puissance nucléaire qui avait droit, elle, à sa bombe, est également en totale dérive dans la région. L'Union ne doit pas rajouter du désordre au désordre en voulant intervenir à tout prix. En réunissant les acteurs régionaux, Iran, Russie, Chine, et en soutenant les équilibres des puissances, elle fera œuvre de paix, non en intervenant directement.